Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est peut-être ces paroles que le prêtre nous a dit quand il a mis sur notre tête les cendres il y a quelques jours. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Un projet qui peut occuper toute notre vie, un projet qui nous permettra de rester dans cette espérance, dans cette joie de la rencontre avec le Christ. L'illustration qui nous est proposée aujourd'hui nous montre ces religieux à l'étude. Chaque jour, ils mettent en pratique cette parole de Jésus « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Ils sont pour nous un exemple de l'amour de la parole de Dieu. Avons-nous faim réellement de cette parole? Avons-nous le courage d'ouvrir cette Bible qui est peut-être dans nos maisons et que nous n'avons pas regardée depuis bien longtemps? Oui, ouvrir une Bible peut faire peur. On ne sait pas forcément quel livre prendre en premier, comment comprendre ou interpréter la parole de Dieu. Mais justement, la Bible est plus qu'un livre, elle est la parole de Dieu qui se révèle, qui se donne à nous. Cette parole, elle mérite que l'on puisse y consacrer du temps, que l'on puisse l'approprier, essayer de la vivre au mieux jour après jour. Alors bien sûr, nous n'avons pas tous le rythme de vie de ces religieux. Notre vie est faite d'activités professionnelles, de famille, d'amis. Mais avant tout, faisons une place pour le Seigneur dans notre emploi du temps. Prenons le temps, justement, pendant ce carême, de faire nôtre la parole de Dieu, de la méditer, de la lire et d'y voir avant tout un message d'amour et d'espérance de la part de Dieu. Amen.